3e heure. J'aurai deux ateliers ce matin et deux ateliers cet après-midi. On est deux animateurs aujourd'hui, donc moi je m'appelle Caroline et Olivier. Bonjour. On va passer la journée ensemble. On va faire deux sous-groupes, c'est-à-dire que je vais diviser en deux. Ce matin, un groupe avec moi qui va commencer par s'intéresser aux pipettes du jardin. Et puis pendant ce temps-là, l'autre groupe va aller faire des jeux sur le jardin, sur les animaux du jardin. Donc ça va se passer dans la halle. La halle, c'est l'endroit où vous avez posé les sacs. Ce matin, on va passer un petit moment ici pour parler des animaux donc, qui sont présents dans le jardin. On va fabriquer un petit guide. On va fabriquer ça. Et puis après, rapidement, on va présenter tout le matériel qu'on a à disposition et on va aller dans le potager pour chercher les pipettes du jardin. Oui. Caillon champêtre. Oui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il chante. Mange un petit peu tout, oui. Vous allez faire des petits fagots, des tiges. Donc l'idéal c'est de prendre des fagots avec différents diamètres de trous, donc des tiges creuses, et puis des tiges à moelle. Des fois il y a plein de choses. Oui, il y en a des mauvaises proportions. On va essayer de lui faire un peu de gym. Vous avez vu, c'est pas le mur sur les pattes là. Vraiment pour équiper pour sauter avec ses grandes pattes et pour nager avec ses palmes. Voilà. Alors normalement, je vous disais là, il faut avoir les mains mouillées pour toucher une grenouille. Parce qu'elle respire aussi par la peau et elle a besoin d'avoir un mucus, c'est-à-dire la peau toujours humide. Et donc, voilà, on lui pose des problèmes quand on la touche, les mains sèches. Elle va être un peu à l'étroit là. Attendez les cages. Thank you.
Maintenant, il faut faire. Vas-y. Oh, mais il va pas voler comme ça. Attends. Donc par contre, pour grandir, elle a besoin de manger donc. Et je vous disais, c'est une machine à tuer parce qu'elle chasse à l'affût. À l'affût, c'est-à-dire qu'elle se laisse tomber au fond de la mare. Elle prend de l'eau dans son abdomen, c'est pour ça que son abdomen là, est gonflé. Et quand il y a une proie qui passe devant, elle éjecte l'eau de son abdomen et par propulsion, ça la fait avancer. Attraper des papillons sur le côté comme vous pouvez le voir avec des fils à papillons, et nous avons aussi attrapé des grenouilles dans les marais avec des épuisettes. Nous avons passé la matinée avec Olivier et nous avons fait des abris insectes et une chasse aux papillons, puis on a repêché des grenouilles T'as repêché des grenouilles? Ouais. Sérieux? Ah, il a été chercher des épinettes? Ouais. D'accord. Voici un grand abri insectes. Le nôtre était plus petit. Et celui-ci a plusieurs matériaux. Là, on est ici. Nous. Il y a la grange. Le grand chêne, il est là. Et puis, ce matin, on était tout en bas, là. Et on est allé dans le potager. Bonjour, je m'appelle Pilou. Je vous invite à un rallye pour découvrir les plantes aromatiques. Si vous réussissez toutes les missions que je vous propose, vous trouverez le trésor que j'ai caché quelque part dans le jardin. Pour cela, à chaque étape, vous devrez reporter les lettres numérotées de votre réponse dans les phrases mystères qui vous permettent de trouver le trésor. Les herbes aromatiques sont des plantes qu'on utilise pour parfumer les plantes, car elles renferment des arômes. On les utilise aussi pour se soigner, et dans ce cas, on peut par exemple en extraire leurs huiles essentielles. Vérifions que vous avez bien tout compris. Parmi ces trois plantes, une seule n'est pas une herbe aromatique. Laquelle? Le coquelicot ou la ciboulette? Le coquelicot. Et à la réponse arrière. Non, c'est pas le coquelicot, c'est la ciboulette.
Question. Planter des aromatiques en bordure des légumes permet d'attirer les insectes pollinisateurs. Oui, c'est sûr. Attends, le 23, non. C'est L. 27. Non, 27, c'est quoi? Dollar. Si, parce qu'il y a 29, donc il y a plus de lettres que l'alphabet, donc c'est normal. Donc dans la colline, c'est bon. Et 14, 2. Ouais, attends, je termine là. 2. 29, E. C'est la carte où il y avait le trésor est caché dans la colline des sens derrière la vieille ruine. C'est là, ben, on l'a vu. Les gars, venez, on y va. Une plante aromatique. Bravo, vous avez trouvé votre cadeau. C'est une plante aromatique que vous pourrez emmener et planter dans votre école. Il ne faudra pas oublier de l'arroser les deux premières semaines suivant la plantation, mais après, elle pourra se débrouiller toute seule à condition de bien veiller à ce que d'autres plantes ne viennent pas pousser trop près d'elle. Et qui sait si ce n'est pas le début d'un jardin aromatique pour l'école? J'ai pas gagné, mais j'ai fait un memory. J'ai gagné une fois la part d'avant et une fois cette part. Je suis un idole pour quelques jours. Allez, Martin. Allez, concentre-toi. Je vais gagner. Des haricots yin-yang. 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 Oui, c'est des haricots que leur. Attends, je vais montrer. Leur. Ouais, vas-y, montre. On continue d'expliquer, vas-y, pour votre nom. Bah, ils sont un peu noirs et le reste blanc. Et d'habitude, bah, on a sur le noir, là, une petite tache blanche. D'accord, d'où le yin et le yang. Voilà. Oui. Okay. Et vous faites tous les deux ça? Oui. Et vous pouvez voir notre récolte. Ah ouais, vous êtes démontré. Oui. Ah, cool les gars.
beaucoup s'arracher à la main. Et puis, à la limite, vous pouvez prendre des... Des pinettes, ça. Des râteaux, parce qu'il y a un peu de paillage. À côté de toi. En fait, vous préparez quoi? On va voir le sol. Oui, bah. Ah oui, on va dire que c'est l'art, on va voir le sol. De retour sur Kids TV. C'est pas grave. Coupé. Action. De retour sur Kids TV pour la seconde partie de la carte au trésor. Je me trouve actuellement dans le haut bocage vendéen sur le mont à Saint-Michel sur le mont Saint-Mercure. Oh là là, le début était bien, donc tu vas recommencer. Donc je me trouve actuellement dans le haut bocage vendéen, près de Saint-Michel-Mont-Mercure. Le point culminant de la Vendée. Et tu reprends le tout, c'est très bien le début. Tu vas reprendre le tout. C'est un truc de papillon. Non, c'est un fruit de je sais pas quoi. Vas-y, ça tourne. De retour. Attends. Quand je dis ça tourne, n'embraye pas tout de suite. Ah oui, 3 secondes juste. 3, 2, 1. De retour sur Kids TV pour la seconde partie de la carte au trésor. Je me trouve actuellement dans le haut bocage vendéen sur Saint-Michel. Je me trouve actuellement dans le haut bocage vendéen, ça c'est très bien. Près de Saint-Michel, Mont de Mercure. Le point culminant de la Vendée. C'est surtout ça que j'arrive pas à retenir. Près de Saint-Michel, Mont de Mercure. Vas-y. Tu recommences tout. 3, 2, 1. Bienvenue. C'est de retour. Tu peux dire, je sais pas moi, salut les copains, de retour sur Kids TV pour la seconde partie de la carte au trésor. Il faut mettre de l'énergie. Hein, là. Vas-y. Salut les copains, de retour sur Kids TV pour la seconde partie. C'est bien. Allez, recommence, c'est très bien. Donc, vas-y. Bonjour les copains. De retour sur Kids TV pour la seconde partie de la carte au trésor. Je me trouve actuellement sur le haut bocage vendéen, près de Saint-Michel, Mont-de-Mercure. Le point culminant de la Vendée. Je ne le mettrai peut-être pas, mais... redis un peu... 2, 1... Les concurrents viennent de s'envoler, car ils ont trouvé leur dernière destination, La Rochelle. Continue, refais. D'accord. Les concurrents viennent de s'envoler car ils ont trouvé leur dernière destination, La Rochelle. Ah. Les candidats ne le savent pas encore, mais le trésor est un cornet de glace de chez Tonton Maboule. Bonjour les amis jardiniers, bienvenue sur Silence ça pousse sur Kids TV. Aujourd'hui, nous sommes à la. On va recommencer. Aujourd'hui, je me trouve à la maison de la vie rurale. En Vendée. Aujourd'hui, je me trouve à la maison de la vie rurale en Vendée. Ok. C'est parti. Bonjour les amis jardiniers, bienvenue sur Silence ça pousse, sur Kids TV. Aujourd'hui, je me trouve à la maison de la vie rurale en Vendée. Bienvenue les amis jardiniers. Ah non, c'est bonjour les amis jardiniers. C'est pareil. Attends, on recommence. Hein. Bonjour les amis jardiniers, bienvenue sur Silence ça pousse, sur Kids TV. Aujourd'hui, je me trouve dans le bocal vendéen. Non, c'est pas bocal. Dans le bocage vendéen, pas bocal vendéen. Dans le bocage vendéen. Je
les amis jardiniers, bienvenue sur Silence ça pousse sur Kids TV. Aujourd'hui, je me trouve dans le bocage vendéen, à la Flosselière. Bonjour les amis jardiniers, bienvenue sur notre émission Silence ça pousse sur Kids TV. Aujourd'hui, je suis à la maison rurale en Vendée. J'arrive pas à revenir en fait. Bonjour les amis jardiniers, bienvenue sur Kids TV, sur l'émission Silence ça pousse. Aujourd'hui, je suis à la maison de la vie rurale en Vendée, sur le territoire de... Bienvenue sur Kids TV, sur l'émission Silence ça pousse. Aujourd'hui, je me retrouve à la maison de la vie rurale, à la Flosselière, en Vendée. Entrez. Bonjour Louis, SOS Jardin. Oh non, comment je m'appelle? Stéphane Marie. Stéphane Marie.